Toi, je parie que t'es de la maison Poulaga. Assieds-toi. C'est gentil de venir me voir. Je m'ennuie un peu ici. Ça manque de copains. Comment tu t'appelles? Tu renverses les rôles, Jean-Baptiste. Oh, je vois pas pourquoi ce serait toujours les flics qui poseraient les questions. C'est pas toi le fameux Borniche? Bravo. Il paraît que tu bouffes du malfrat pour ton petit déjeuner. Si on parlait de l'auberge de l'Arbois et de l'agent Schmitt, on n'a pas tellement de temps, il paraît qu'il faut pas te fatiguer. Penses-tu, je vais pas si mal. Reste autant que tu voudras. René Bollec a tout reconnu. Je suis juste venu pour la forme. T'as pas une pipe, Borniche? C'est pour fumer tout à l'heure en pensant à toi. Merci, petit. T'as pas du feu? Comment tu l'appelles, ton gars? Bollec. René Bollec. Ça me dit rien, ce nom-là. Tu connais peut-être même pas ton frère? J'ai lu dans les journaux qu'il s'était évadé. Je vais te dire, son drame à mon frangin, c'est qu'il a dû avoir mauvaise fréquentation, sinon il aurait jamais fait de mal. Même à un poulet. Oui, j'en doute pas. Le 3 septembre, j'étais à Dijon chez ma frangine. T'as qu'à vérifier. J'espère qu'aux assises, tu adopteras un autre système de défense. Écoute, mon petit Borny, je voudrais pas te faire perdre ton temps. J'ai 52 piges, tu t'imagines pas me faire tomber dans tes pièges à cons? Je ne sais rien, moi, rien. Depuis 1937, j'ai perdu la mémoire. Il y a 10 ans exactement. Ça fait juste les délais de prescription, ça va? Si t'as bien compris ça, t'as tout compris. Tu t'en vas déjà? Monsieur, j'ai tout compris, j'ai même pas besoin de faire procès verbal. Tiens, t'es pas du belge. Merci, mon petit poulet. Dans le fond, t'es pas un mauvais mec. Reviens donc me voir. Je te raconterai notre campagne de Chine en long et en large. Ça t'instruira. L'instruction, ça concerne le juge Boissonnade. Tu verras. C'est un type tout ce qu'il y a de sérieux. Ça manquerait plus que ça, que la justice française soit main d'une bande de rigolos. Salut, Borniche. Si tu rencontres Émile, fais-lui la bise de ma part. Si t'as le temps.